semaine type pour vous, c'est 4 entraînements semaine minimum de 2 heures en gymnase. Ensuite, c'est 2 entraînements avec notre préparateur physique à la salle de musculation, mais aussi la possibilité de faire des entraînements de musculation supplémentaires dès qu'il y a une pause entre ses cours dans la journée pour faire de la musculation, pour faire du travail individuel au gymnase. On a un appariteur qui est là, qui répond à leurs questions, à leurs besoins, qui ouvre le gymnase. Donc, c'est un net avantage là, que vous pouvez bénéficier là, quand vous êtes ici au Collège d'Alma. On se différencie aussi, je dirais, des autres programmes de basket au Québec de par notre implication humaine, notre approche 360 degrés, je dirais, par rapport à toutes les sphères de la vie d'un étudiant athlète. Une fois par mois, donc une implication mensuelle, de venir être entraîneur pour les plus jeunes, donc on va dire les 10 à 15 ans. On donne même des formations reconnues pour être entraîneur, donc avoir sa licence comme entraîneur et ensuite faire la conversion possiblement dans le système français. On fait la même chose aussi au niveau de l'arbitrage, donc on va demander une implication pour être arbitre dans des matchs qu'on organise ou des tournois et des formations aussi pour être reconnu officiellement comme arbitre. Donc déjà ça, c'est un gros plus, même à mettre dans un curriculum vitae, d'avoir des formations qui sont reconnues et qui seront transférables dans le système français. Et on demande aussi une implication, je dirais, communautaire ou redonnée à la communauté qui nous permet de faire des activités comme programme. Donc, on va aller, exemple, encadrer une course en forêt à obstacles pour une levée de fonds pour, exemple, l'hôpital d'Alma. On va aller aider le programme de technologie d'entreprise agricole à ramasser des citrouilles qui, eux, vont pouvoir vendre ces citrouilles-là dans le temps de l'Halloween pour avoir les fonds pour faire un voyage humanitaire. Donc, c'est un peu la dynamique qu'on cherche à avoir là, avec notre programme d'implication pour qu'ils puissent sortir d'ici non seulement avec un diplôme, mais aussi d'être des citoyens plus complets, plus épanouis, avec des valeurs humaines fortes. Pour rentrer, il faut être des étudiants athlètes, donc c'est les études d'abord et avant tout, ensuite le volet sportif. Ce qui est très différent par rapport au système français, c'est qu'il faut ici, c'est indissociable l'école et le sport. Il n'y a pas de formule civile comme dans le système français. Il faut être inscrit à 4 cours minimum dans la session. Il faut les réussir pour rester admissible pour la session suivante. Et ce, tout le long du cheminement scolaire que les étudiants athlètes doivent faire. On fait aussi des périodes d'études supplémentaires pour nos étudiants athlètes. On met des centres d'aide en place pour le parrainage avec d'autres étudiants qui ne sont pas nécessairement des sportifs, mais qui vont venir aider au cheminement de nos étudiants athlètes, là, tout dépendant de la matière là, dans laquelle ils peuvent rencontrer des problématiques. Le terme décorum est important pour nous. Je trouve que c'est une façon d'avoir le respect de son sport que d'arriver dans les meilleures dispositions possibles, autant physique que dans l'approche hors terrain aussi. Bien, on va exiger d'avoir aussi un décorum peut-être un peu plus grand que dans les autres programmes de basket, dans la mesure où, nous, il y a un code vestimentaire à respecter, parce que ça va servir sur le marché du travail, ça va servir pour le prochain niveau aussi sportif, de bien se présenter. Ça fait partie de l'amour du basket, que ce soit aux Antilles, que ce soit en France, que ce soit ailleurs dans le monde. Avoir une structure intéressante puis avoir un programme qui se veut compétitif et qui favorise d'être prêt, je dirais, mentalement, dans le sens où on est prêt pour le prochain niveau, les exigences qui sont attendues du niveau universitaire, du niveau professionnel. On amène cette approche-là de qualité dans ce qu'on veut faire comme programme, comme entraînement, comme match. Les Janois, on veut être dans une idéologie de programme professionnel. Donc, de se dire, bon, ben on a cette approche-là de bien faire les choses en tout temps. On met aussi de l'avant des plateaux de qualité. Donc, que ce soit le gymnase, que ce soit la salle spécialement dédiée, je dirais, aux périodes d'études, que ce soit la palestre pour faire les séances d'étirement, les séances de préparation d'avant-match, que ce soit d'avoir un vestiaire unique dédié aux étudiants athlètes, que ce soit même en basket, mais ça pourrait être aussi dans le volleyball, le cross-country. Donc,
C'est un lieu où ils peuvent se regrouper, qui est vraiment un vestiaire avec les noms, avec, bon, chacun a sa case. On a un appariteur qui fait attention aux petits détails. Ça aide à avoir une routine de match qui est favorisante pour l'épanouissement puis le développement de nos étudiants athlètes. On leur donnait aussi accès durant les week-ends. Ils peuvent venir, c'est formule un peu open gym, donc je dirais formule libre, donc gymnase ouvert, où les entraîneurs sont pas là nécessairement avec eux, mais oui, on est disponible pour aller vous entraîner. Donc à ce moment-là, c'est des périodes de plus qu'on peut aller chercher, et plus vous nous en demandez, plus on vous en donne. Donc c'est vraiment la formule gagnant-gagnant. Plus vous avez de l'intérêt, plus vous sollicitez d'avoir du temps avec les entraîneurs, bien ici, le programme au Collège d'Alma, au Cégep d'Alma, donne la chance à ces étudiants athlètes d'avoir accès à des plateaux de qualité, et ça aussi en quantité durant la semaine, donc de pouvoir avoir beaucoup d'heures de gymnase pour venir s'épanouir. La première étape absolue, ça va être de faire la demande d'admission. Demande d'admission va se faire sur un site qui s'appelle le Service régional d'admission du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc le SRACEL. Vous allez faire une espèce de pré-admission sur le site où vous allez remplir des informations de base là, sur vous. Ensuite de ça, vous allez aussi recevoir un mail, probablement dans vos indésirables, avec toutes les informations que vous aurez besoin pour vous connecter à ce dossier-là. Ce n'est pas fini après cette première étape, donc il va falloir réaccéder à ce moment-là à votre dossier pour être en mesure d'y déposer tous les documents qui vont être requis. Tous vos relevés de notes, votre passeport et autres documents connexes, dépendamment d'où vous venez. Donc, le système va automatiquement vous indiquer dans votre dossier quels documents vont être à déposer. On passe à la seconde étape lorsqu'on va avoir officiellement reçu notre lettre d'admission. La lettre d'admission, pour vous donner une petite idée des délais, ça se pourrait, une fois que vous avez déposé tout votre dossier en ligne, que ça vous prenne à peu près 2 à 3 semaines avant qu'on soit capable de vous fournir une réponse. Vous allez pouvoir être en contact avec moi pour qu'on passe à la prochaine étape, qui est le certificat d'acceptation du Québec. Donc ça, c'est une demande qu'on fait au ministère de l'Immigration québécois, avec le MIFI, qui va vous permettre de passer aux prochaines étapes de sélection. Généralement, on va vous demander à peu près les mêmes documents que lors de votre demande d'admission, mais on va y ajouter votre lettre d'admission officielle et aussi une preuve de capacité financière. Après 4 semaines, donc 20 jours ouvrables, vous devriez avoir votre certificat d'acceptation du Québec qui va vous permettre de passer à l'étape ultime de l'immigration, qui est le permis d'études, visa d'immigration. Fait que c'est vraiment là que ça se passe pour officialiser le tout. Après 9 semaines, vous devriez recevoir là, votre confirmation, qui est sous forme de lettre d'introduction, qui va vous permettre de venir officiellement au Canada et réclamer votre permis d'études et venir étudier chez nous. Ce qu'on recommande toujours de vous planifier là, quand vous avez un projet d'études au Québec, quand vous voulez venir au Collège d'Alma, si vous êtes très efficace, donc ça va être un 3-4 mois pour avoir une réponse. Ça va varier d'une période à l'autre. J'ai des étudiants que ça va pouvoir leur prendre jusqu'à 6 mois pour rassembler tous les documents nécessaires. Et ça peut être assez long. On suggère toujours de commencer vos démarches tranquillement, donc dès le mois d'octobre de l'année qui va précéder en fait là, votre session d'admission. Pour vous laisser là, un bon 8 mois là, pour être capable de tout faire, bien vous préparer, avoir vos autorisations d'études à temps aussi pour bien planifier votre accueil. Concernant les frais de scolarité, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les étudiants français, donc qui ont la citoyenneté française, on va vous demander une preuve de citoyenneté qui va vous permettre d'avoir accès à la gratuité scolaire, donc aux mêmes frais qu'un étudiant québécois. Donc autour de 300 euros par année. Ça va aussi inclure une adhésion à notre régie d'assurance maladie du Québec, qui va, en fait, de façon gratuite, là, vous permettre de bénéficier des mêmes soins de santé que nous, on a au Québec. À partir du premier mois que vous arrivez, vous allez pouvoir être assuré aussi de façon privée, avec un montant là, mensuel qui va vous être remboursé aussitôt que vous allez avoir votre carte d'assurance maladie officiellement. Pour ce qui est des étudiants de tout autre pays, donc les frais de scolarité vont être différents. Donc comment fonctionne, c'est que dépendamment de la filière de formation, les frais vont être un petit peu différents.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout et partout, ça va être à peu près entre 14 et 22 000 $ canadiens par année pour vos frais de scolarité. Tout autre pays du monde, en fait, là, comme les frais de scolarité sont quand même assez élevés, vous allez avoir à prouver vos capacités financières au niveau de l'immigration. Toutefois, en cours de route, si vous êtes avancé dans vos démarches, à chaque session d'hiver, donc à peu près vers le mois de janvier-février, on va vous inviter à émettre votre candidature, en fait, à deux programmes de bourses et exemptions qui sont offerts par notre ministère. La première, c'est l'exemption, le programme des exemptions des frais de scolarité. Donc ça, en fait, ça vous donne le droit, un peu au même titre que nos étudiants français, donc les citoyens français, ça va vous donner la chance de bénéficier d'une exemption des frais de scolarité, donc de payer exactement les mêmes frais qu'un Québécois. L'autre programme de bourse, c'est la bourse d'excellence. C'est aussi une bourse sur laquelle vous allez pouvoir soumettre votre candidature. Donc, cette bourse-là, en fait, c'est faut vraiment avoir un dossier académique d'excellence. Donc, on s'attend à des 17 sur 20 de moyenne là, pendant vos études. Cette bourse-là vous donne droit à l'exemption des frais de scolarité, mais aussi à un montant d'argent supplémentaire pour vous aider à subvenir à vos besoins là, pendant toute la durée de vos études, que ce soit pour le logement, que ce soit pour votre alimentation. Vous allez avoir en fait un montant qui va vous être octroyé par mois pour vous aider, vous accompagner dans votre projet. Pour nous, l'accueil, c'est vraiment super important. Donc, on veut s'assurer que votre projet se réalise bien puis que votre début avec nous se passe aussi très bien. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'au début du mois d'août, par exemple, si vous arrivez à la session d'automne, on va organiser un accueil regroupé à l'aéroport. Donc, on vient vous chercher avec nos petites affichettes. On est très contents de vous rencontrer. Puis on va en fait passer une nuit à l'hôtel, on va tous accueillir tout ce beau monde-là, puis on va vous amener là, jusqu'à Alma en autobus pour ensuite aller tous vous installer individuellement chez vous, s'assurer que vous êtes bien, s'assurer que vous avez tout ce que vous avez besoin. Dans les semaines suivant votre arrivée, on a aussi tout un programme là, d'accueil qui est organisé pour vous. Donc entre autres, on vous amène faire les courses. On va vous faire un accueil administratif, vous faire une visite de ville, vous faire visiter les locaux classes, s'assurer que vous êtes bien prêt pour commencer vos études là, officiellement 2 semaines plus tard. Puis après, vous êtes officiellement au Collège Alma. Beaucoup d'absences à cause des matchs. Puis... Oui, c'est ça, c'est les matchs, les absences. Parle-nous de toi, Noah. Je suis un étudiant déjà athlète et je suis en sciences humaines. Étudiant athlète aussi. OK. Joueur de basket dans la même équipe. J'étudie en sciences de la nature. Quel genre d'étudiant es-tu? Je dirais pas modèle, mais je dirais un étudiant. J'ai pris ça très au sérieux pendant 3 ans. Ah ouais, on voit ta cote R. Ton expérience étudiante jusqu'à présent en un mot. Je sais que c'est genre 3 mots, là, mais montagne russe, I guess. Okay. T'as tes up, t'as tes down. Moi, je pourrais dire accueillant. Quand je suis arrivé ici, je vais pas te mentir, j'étais stressé. Tu arrives dans un nouveau pays, nouvelle culture, tu dois réapprendre. Ça s'est fait parfaitement, on va dire, parce que les gens ici sont beaucoup aidants. Quel est ton moment coup de cœur jusqu'à présent en tant qu'étudiant ou étudiante? C'est le basket. Les gens rencontrés, les personnes qu'on côtoie. Qu'est-ce qui va te manquer le plus du cégep quand tu vas la quitter? Le basketball, de mon côté. Parce que ben, pour moi, c'était une partie prenante de mon expérience étudiante de dire je suis venu ici en partie pour ça. Qu'est-ce que le Collège d'Alma t'a amené? Ce qui m'a amené en 3 ans, de plus que les autres cégeps, je te dirais que c'est une proximité avec les enseignants qu'il n'y avait pas ailleurs. Okay. Dire que tu connais tout le monde aussi, donc tu as une proximité, tu te fais plus d'amis que si tu es dans un grand cégep. Assister à un match sportif de nos Genois ou assister à un match d'impro de nos All Brain. Un match pro. Non, un match d'impro. D'impro? D'improvisation. Ah, ben, un match des Genois. Cours le matin ou cours l'après-midi? Je suis facile, cours l'après-midi. Ah ouais? Et toi? Cours le matin. Comme ça, après, en après-midi, tu peux faire ce que tu veux. Je vais pas me lever, moi. Ton lunch ou les repas de la cafette? Ça va dépendre de mon humeur, mais je te dirais les repas de la cafette. Moi, je vais dire mon lunch, hein. J'aime bien cuisiner. Centre social? Ou encore le Carrefour. Carrefour? Je sais pas, c'est où le Carrefour? C'est où le Carrefour? C'est comme le mini-centre social. Ben, un centre social. Il y a plus d'espace, c'est plus agréable. Oh, le téléphone. Déjà, c'est le téléphone à notre photographe, Deva. Ça, c'était pendant un voyage à Trois-Rivières. Notre voyage, on l'avait égaré. On était obligé de rester
bloqué à l'hôtel. Parce qu'il y avait une tempête de neige en même temps. Le lendemain, on a fait une crevaison. Ah oui. On est arrivé en retard. Hein. C'est ça. Mais on a raté un match aussi. Aussi. On a eu beaucoup de péripéties. Hein. Le téléphone là, il reste gravé. Je dirais étudiant sérieux. Et toi? Moi, je dirais que ça dépend des jours. Oh, vas-y. Parle-nous de toi. Moi, c'est Arthur, j'ai 27 ans, je viens de France et j'étudie en technologie sonore. Mon nom, c'est Fleming, j'ai 20 ans, je viens du Cameroun. J'étudie en soins infirmiers ici au collège d'Adma. As-tu un accomplissement ou une réalisation qui te rend fier? Pour moi, un accomplissement, c'est que l'on puisse se créer un petit réseau d'amis. C'est ce que j'ai réussi à faire ici à Alma, même si ma famille est loin de moi, je me sens pas seul parce que j'ai des amis qui sont là pour moi et moi, je suis là pour eux. De faire former un petit cocon familial, mais avec les amis, quoi. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui va te manquer le plus du cégep quand tu vas le quitter? C'est la relation que j'ai avec nos professeurs, même s'ils sont nos profs. Il n'y a pas la relation de prof-élève quand même, quoi. Puis je pense que ça va être les anecdotes de nos profs qui vont me manquer le plus. Qu'est-ce que le collège d'Alma t'a amené? Le collège d'Alma m'a plus amené la liberté. Ok, ouais, tu te sens épanoui, quoi. Ouais, exactement. Assister à un match sportif de nos Janois ou assister à un match d'impro de nos All Brain? Moi, ça serait assister à un match d'impro de nos All Brain parce que j'ai des amis qui font la ligue d'impro, quoi. Janois. Bah, c'est très bien, voir. Ils sont géniaux, ceux qui sont en match d'impro. Qu'est-ce que tu crois? Soirée d'études en groupe au collège ou étudier tranquillement dans ta chambre? Soirée d'études en groupe, ça pourrait être le fun d'avoir plusieurs personnes. T'assois au premier rang de la classe, t'assois au dernier rang de la classe. Mais premier rang. Dans le cadre de ma formation, il vaut mieux être au premier rang que derrière. Dans le lunch ou les repas de la cafette? Moi, j'irais le repas de la cafette. Ah, moi, je dirais aussi comme toi, le repas de la cafette. Petit repas équilibré, là. Moi, je vais te présenter mon objet fétiche de formation, du coup. Alors, c'est mon casque audio qu'il faut avoir en tout temps dans notre formation, que ça soit pour travailler sur nos projets, ça nous est aussi utile dans le domaine du live, quoi. L'objet que je vais te présenter, c'est pas vraiment un truc qui a un rapport avec mon expérience. C'est ça. Nous sommes d'abord allés faire une petite visite au lac Saint-Jean. En plein hiver et tout. Petit moins 30, quoi. Ah, avant de partir, je n'avais qu'un seul gant, tu vois. Et puis, il fallait retourner en motoneige. Là, on partait assez vite, tu vois. Toute la neige, okay. Ça remontait sous mon bras et tout, vois. T'as vu perdre la vue, en fait, ouais. Pendant ta sortie. C'était tout simplement magique. Ça valait la peine de passer des heures dans cette caisse. Je vais devoir m'habituer à cette vie de star. Oh que oui! J'ai hâte de les encourager et peut-être aussi faire quelques paniers de basket. Ne vous fiez pas à mes petits bras, je suis bon en basket. C'est parti d'une blague lancée par l'équipe des communications du collège. Mais finalement, on m'a aimé et adopté. Impossible d'oublier vos fameux vendredis poutines. J'en ai peut-être mangé 2, 3, 4, 5. Je ne sais plus. Désolé, j'ai encore faim. Je répondrai uniquement en présence de mon avocat. Bien sûr, j'ai déjà plein d'amitiés naissantes avec la mairesse, le préfet, les députés, notre bien-aimée directrice générale, les gens de l'assaut étudiante. Je suis déjà assez populaire. Moi, bien entendu, j'ai un enthousiasme débordant, de l'énergie, et puis avez-vous vu cette belle dentition? J'ai un très bon dentiste.
Je rigole. Je voudrais saluer mon papa Frédéric, ma maman Julie, ainsi que tata Mélina et tonton Guillaume. Merci à tous, ça a été une superbe entrevue. Je vais aller chercher de la poutine pendant qu'il en reste. Ben c'est quoi les activités qu'il y a au centre? Ben, il y a les parties, là! Parle-nous de toi. Dans le fond, moi, je m'appelle Steven Scott Voilant. Je viens de la communauté Washak Mac Maniotenan. Je m'appelle Jonathan Fiola. Je viens de Chibougamau. Quel genre d'étudiant ou étudiant es-tu? Je dirais plus peut-être concentré. Puis des fois, si je peux dire des petites affaires, là, comme c'est pour faire rire la classe. Là. Moi non plus, des fois, j'arrive en retard. Là. Des fois, sinon, je dis la joke de McEinstein. Là, le temps est relatif. C'est peut-être pas moi que t'as retard, c'est peut-être toi que t'as retard, je disais. Ton expérience étudiante jusqu'à présent, en un mot, inspirant. Nos profs, tu sais, qui travaillent dans le milieu, qui ont vécu plein d'affaires. Je trouve que c'est inspirant de se dire qu'on va pouvoir devenir un même modèle pour d'autres générations d'étudiants. As-tu un accomplissement ou une réalisation qui te rend fier? Dans ma communauté, en fait, dans quelques communautés autochtones, il n'y a pas tant de monde qui ont fini en secondaire 5. Comme moi, par exemple, en fait, moi, je suis juste en secondaire 3 et 4. Aussitôt que j'ai comme appliqué, puis comme j'étais accepté, ça m'a comme rendu fier. J'ai fini ma première session, j'ai comme passé tous mes cours, je suis comme... OK, là, comme je suis fier, là, je me suis dit que j'étais à bonne place. Qu'est-ce que le collège d'Alma t'a amené? Ça a développé un peu plus mon empathie au niveau de ce que les gens traversaient comme difficultés. Comment on peut aider ces personnes-là, comprendre qu'est-ce qui les a amenés là, leur cheminement. Ton land sur les repas de la CAF. Le repas de la CAF. Ben d'accord là-dessus, moi aussi. Vendredi du poutine, là, ça accouche. Centre social au Carrefour. Centre social. C'est un centre social aussi, honnêtement, avec les activités qu'ils font. Là. T'asseoir au premier rang de la classe ou t'asseoir au dernier rang de la classe? Avant, c'était dans le dernier, mais au fur et à mesure de mes cours, j'ai avancé. Ah ouais. Tes années au secondaire ou tes années au cégep? Cégep. Belle plus le fun. Je découvre plein de nouvelles choses depuis que je suis parti de ma ville natale. Les soirées thématiques 4 à 7 ou les parties de session au centre social? Je pense qu'on connaît ta réponse. Oh, c'est très bien, Marie. C'est les parties de session, là. D'où? Ah, ouais. On a fait, à un moment donné, on a fini notre cours de corps à corps. Là, à un moment donné, on a fait une pyramide, en fait. À un moment donné, on était comme, ah, ouais, débarqué, là, let's go. Puis on a tout tombé, je pense, ouais. Ça montre que vous avez vraiment une belle relation. Ouais, ouais. Classe ensemble. Là, on va faire des choses quand même anodines, là. Ah, c'est trop tard. L'activité des motos de neige, c'était cool. Quand on faisait des petits accidents, c'était cool. Parle-nous de toi. Bon, moi, je suis un jeune homme de 18 ans et mon projet fait soins infirmiers. Plus tard, j'aimerais travailler plus dans la pédiatrie. Moi, également en soins, mais on est ensemble dans la classe. Ton expérience étudiante jusqu'à présent en un mot? Je vais dire cool. Moi, je dirais sympathique. J'ai de la rencontre, toi. Surtout les professeurs, je trouve, on est vraiment très proche d'eux. Ton moment coup de cœur jusqu'à présent en tant qu'étudiant. Moi, mon moment coup de cœur, c'est la session passée à un stage de vaccination. J'étais enthousiasmé, en fait. Ouais, c'est la première fois que j'ai piqué une personne. Bien sûr que la dernière personne que j'ai vaccinée m'a fait peur. Là, j'ai injecté. Et lorsque j'ai ressenti l'eau, là, j'ai eu tremblé et j'ai fait quoi comme ça. Qu'est-ce que le collège d'Allemagne t'a amené? Le collège d'Allemagne m'a apporté un changement énorme. Les fautes, là, les accents, les trucs comme ça. Ouais. Dans la météorologie aussi, chez nous, c'était plus compliqué quand même sur certains cours, mais ici, c'est plus facile. Soirée d'étudiants en groupe au collège ou étudier tranquillement dans ta chambre? Ouais, moi, je pense que c'est étudier tranquille dans la chambre parce que je parle trop, moi, c'est pas compliqué. Je n'étudie pas si j'ai personne avec moi. T'asseoir au premier rang de la classe ou t'asseoir au dernier rang de la classe? Moi, il faudrait que je m'assoie au premier rang, mais je m'assois au dernier rang. Puis au premier rang. Toujours, ouais, ça, c'est vrai. Hein. Toujours attentif, toujours élève modèle. Tes années au secondaire, tes années au cégep, j'ai aimé mes années au lycée. Et j'ai fait beaucoup de conneries, comme monter sur des papayers, me casser la gueule. Centre social ou Carrefour? Carrefour. Tu préfères Carrefour? Ouais. Moi, je pense que je préfère Carrefour aussi.
C'était un surligneur bleu. C'était avec ta patiente, là. En fait, j'ai mon patient qui a eu à bipper. Moi, j'arrive dans sa chambre, j'essaie d'arrêter la couche. Parti, j'ai appuyé sur le bouton rouge, le bouton d'invasion rouge. Là, ça commence à sonner dans tout l'hôpital. J'essaie d'arrêter maintenant la sonnerie, j'appuie couche bleue. Comment les infirmiers, les docteurs, tout, ils arrivent. Le bleu arrêt cardiaque, quoi. Absolument, c'est sérieux, mais ta patiente est correcte. Ça arrive, vraiment. J'étais chanceux. Ça, c'est pour Laurie. C'est quoi? Des bombes de bain pour relaxer parce que tu prends pas de break. Ben voyons, parle-nous de toi. Moi, c'est Elisabeth. Je suis en troisième année de technique policière. Rosie Tremblay, j'ai 21 ans, bientôt 43. c'est la coupe de cheveux. Deuxième année de technique policière. Moi, c'est Laurie. Moi, je viens d'à côté, à Iberville. Je suis à l'école Alba. Puis j'ai fait mes sciences en nature en 2 ans. Ton expérience étudiante jusqu'à présent en un mot. Pour vrai, inoubliable parce que je ressors juste du bon. Ça va dans toutes les directions. Il n'y a pas une journée pareille, il n'y a pas une semaine de pareil. On fait des activités. Qu'est-ce qui va te manquer le plus du cégep quand tu vas quitter? J'allais dire Rosalie. Oh! Ellie aussi, là. Je pense que c'est la gang de l'assaut. Moi, je suis stickée là-dessus, là. OK, fait que moi, je dis toi, puis toi, tu dis même pas moi. Aïe, aïe. Tout le monde se connaît, on est en proximité, on a du fun. T'sais, tu rentres dans le collège, là, genre, tout seul avec ma gang. Je sais que j'aurai du fun, je sais qu'il y a une activité, je sais qu'il y a un match de basket, il y a de quoi. Il dit deux matchs de basket. Match de basket, hein? Ouais, on sait que t'as une petite préférence pour le basket, Rosalie. Même la figurante en arrière, hein, oh! As-tu fait une rencontre marquante au collège? Si tu dis pas moi cette fois-ci, je pars. Stéphane, le prof de sociologie, mais il a dit que le monde allait au rythme des plus lents. C'est là que Valentin sorte que j'ai commencé mon projet Accélérons de rythme. Fait que lui, il a été marquant. Sans le savoir, mais il m'a vraiment marqué. Puis vous deux, évidemment. Ellie, full Ellie. Et voilà. Racontez un fait inédit ou une histoire sur vous trois. Aussi, les matchs de basket, on a... Non, mais c'est vrai, on achetait de l'équipement et tout pour faire du bruit. Les premières fois qu'on est allé là, on était vraiment fiers de nous autres. Vraiment. Genre, une des bonnes réalisations qu'on a faites. Là. Ton moment coup de cœur jusqu'à présent en tant qu'étudiant ou étudiant? Moi, je vais dire le défi collégial. D'un, t'apprends à connaître tout ton monde dans ta cohorte, puis pas juste dans ta cohorte, dans ton programme au grand complet, mais t'apprends aussi à connaître le reste du monde au cégep. Qu'est-ce que le collège d'Alma t'a amené? Un deck. Moi, ça a été genre le premier collège où est-ce que j'ai un sentiment d'appartenance. Comme ça a vraiment changé ma vision de qu'est-ce que l'espace cégep, là, mettons, pré-universitaire. Ouais. Puis j'ai plein de nouveaux amis, même s'ils viennent d'Alma. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ton parcours au collège? Ben, je te dirais, dès le départ, juste m'impliquer ou comme parler à du monde ou juste parler à mes gens de ma cohorte. Parce que j'ai réalisé que j'avais vraiment du fun, techniquement, c'est comme si j'avais perdu un an. Genre. Soirée d'études en groupe au collège, étudier tranquille dans ta chambre. En groupe. En groupe. Soirée d'études. Cours le matin ou cours l'après-midi? Le matin. L'après-midi. Le matin. Non, faut être la journée après. Ton lunch ou les repas de la cafette? Mon lunch, repas... j'ai pas d'argent. Non, les panini de la cafette. Non, les panini de la cafette. Les soirées thématiques 4 à 7 ou les parties de session au centre social? Parties de session! Tes années au cégep ou secondaire? Yes! OK. Chacun notre tour, on a mis des objets qui nous font penser à nous. Qu'est-ce que c'est ça? Explique un peu, c'est quoi la série? Aux séries de hockey, la tradition veut qu'on lance une pieuvre sur la glace à l'autre équipe en début de marche. Donc, c'est mon projet interaction. Elle arrête plus. C'est un projet d'immersion culturelle en technique policière. On part 4 jours avec différents milieux ethniques, culturels. C'était vraiment cool. Cette année, je suis tombée en amour avec un candidat du Parti québécois. À la prochaine fois. Peux-tu le garder puis le mettre dans ma chambre? Ça, toi, maman. Je vais l'accrocher. C'est qui a mis ça? C'est un bail de logement. Parce que je suis bonne d'habiter chez vous. Je devrais y donner ma clé d'appart parce que cette fille est là à chaque jour. Ça, c'est notre addiction. Pas juste à moi, là. Juste à toi. Non. Ouais, tu notre addiction. Ah, voulez-vous une gorgée?
De toute façon, on peut se faire sponsoriser. Vraiment en plein. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce match de basketball D2 opposant nos Genois au Collège de Thetford. L'alignement partant pour le Collège de Thetford, le numéro 5, Willy Romain. Le numéro 13, Ismaël Diallo. Le numéro 14, Danick Gagné. Le numéro 25, Herman Coffey. Le numéro 22, Salan Lagrimi. Et maintenant, du côté de nos Genois, le numéro 4, Jules Martinet. Le numéro 5, Kinsley Dibond. Le numéro 7, Aldwin Bernard. Le numéro 8, Sharon Brooks. Le numéro 14, Gaian Ndiaye. Du côté des entraîneurs pour les Genois, assistant entraîneur Yannick Tremblay, assistant entraîneur Marc-Antoine Robin, assistant entraîneur William Onyeran et l'entraîneur en chef Simon Leblanc.
Les arbitres de ce soir, Jean-Michel Tremblay et Philippe Gauthier. Mesdames et messieurs, à tous, bon match! Point Thetford. Thank you.
Temps mort demandé par Ted Firminds. Partisans des Janois, faites du bruit! Entrée sur le terrain du numéro 22 des Janois, Mathis Flasson. Au numéro 22 de Ted Firminds. Entrée sur le terrain des Janois du numéro 11, Ilan Samé. Faute du côté des Janois au numéro 22, Mathis Flasson. Entrée sur le terrain du numéro 6, Erwan Richard Toribé. Thank you.
du côté des Janois, au numéro 6, Alan Castard. Trois points, Tedford. Point Tedford. Et de deux points, Janois. Trois points, Tedford. Faux du côté du collège de Tedford au numéro 5. Changement des Janois du numéro 6 pour le numéro 5. Premier quart, nos Janois sont en avance par la marque de 23 à 16.
Partisans des Janois, on veut vous entendre pour ce deuxième quart! Faites du bruit! Allez, Point Thetford. Au collège de Thetford, au numéro 13. Entrée sur le terrain du numéro 11 et du numéro 7 du côté de nos Janois. Et de deux points, Janois!
côte au numéro 14 du Collège de Thetford. Collège d'Alma. Faute du côté des Janois au numéro 4. Du côté des Janois au numéro 7. Point Thetford. Des Janois au numéro 7. Temps mort demandé par nos Janois.
partisans des Janois, faites du bruit! Point Tedford. Temps mort demandé par nos Janois. Partisans des Janois, on veut vous entendre pour ce dernier droit! Allez, plus fort, allez! Let's go, Janois! Et de deux points.
marque après deux quarts. Les Janois toujours en avance par la marque de 41-39. Une semaine type pour vous, c'est 4 entraînements semaine minimum de 2 heures en gymnase. Ensuite, c'est 2 entraînements avec notre préparateur physique à la salle de musculation, mais aussi la possibilité de faire des entraînements de musculation supplémentaires dès qu'il y a une pause entre ses cours dans la journée pour faire de la musculation, pour faire du travail individuel au gymnase. On a un appariteur qui est là, qui répond à leurs questions, à leurs besoins, qui ouvre le gymnase. Donc, c'est un net avantage là, que vous pouvez bénéficier là, quand vous êtes ici au Collège d'Alma. On se différencie aussi, je dirais, des autres programmes de basket au Québec de par notre implication humaine, notre approche 360 degrés, je dirais, par rapport à toutes les sphères de la vie d'un étudiant athlète. Une fois par mois, donc une implication mensuelle, de venir être entraîneur pour les plus jeunes, donc on va dire les 10 à 15 ans. On donne même des formations reconnues pour être entraîneur, donc avoir sa licence comme entraîneur et ensuite faire la conversion possiblement dans le système français. On fait la même chose aussi au niveau de l'arbitrage, donc on va demander une implication pour être arbitre dans des matchs qu'on organise ou des tournois et des formations aussi pour être reconnu officiellement comme arbitre. Donc déjà ça, c'est un gros plus, même à mettre dans un curriculum vitae, d'avoir des formations qui sont reconnues et qui seront transférables dans le système français. Et on demande aussi une implication, je dirais, communautaire ou redonnée à la communauté qui nous permet de faire des activités comme programme. Donc, on va aller, exemple, encadrer une course en forêt à obstacles pour une levée de fonds pour, exemple, l'hôpital d'Alma. On va aller aider le programme de technologie d'entreprise agricole à ramasser des citrouilles qui, eux, vont pouvoir vendre ces citrouilles-là dans le temps de l'Halloween pour avoir les fonds pour faire un voyage humanitaire. Donc, c'est un peu la dynamique qu'on cherche à avoir là, avec notre programme d'implication pour qu'ils puissent sortir d'ici non seulement avec un diplôme, mais aussi d'être des citoyens plus complets, plus épanouis, avec des valeurs humaines fortes. Pour entrer, il faut être des étudiants athlètes, donc c'est les études d'abord et avant tout, ensuite le volet sportif. Ce qui est très différent par rapport au système français, c'est qu'il faut ici, c'est indissociable l'école et le sport. Il n'y a pas de formule civile comme dans le système français. Il faut être inscrit à 4 cours minimum dans la session. Il faut les réussir pour rester admissible pour la session suivante. Et ce, tout le long du cheminement scolaire que les étudiants athlètes doivent faire. On fait aussi des périodes d'études supplémentaires pour nos étudiants athlètes. On met des centres d'aide en place pour le parrainage
avec d'autres étudiants qui ne sont pas nécessairement des sportifs, mais qui vont venir aider au cheminement de nos étudiants athlètes, là, tout dépendant de la matière là, dans laquelle ils peuvent rencontrer des problématiques. Le terme décorum est important pour nous. Je trouve que c'est une façon d'avoir le respect de son sport que d'arriver dans les meilleures dispositions possibles, autant physique que dans l'approche hors terrain aussi. Bien, on va exiger d'avoir aussi un décorum peut-être un peu plus grand que dans les autres programmes de basket, dans la mesure où, nous, il y a un code vestimentaire à respecter, parce que ça va servir sur le marché du travail, ça va servir pour le prochain niveau aussi sportif, de bien se présenter. Ça fait partie de l'amour du basket, que ce soit aux Antilles, que ce soit en France, que ce soit ailleurs dans le monde. Avoir une structure intéressante puis avoir un programme qui se veut compétitif et qui favorise d'être prêt, je dirais, mentalement, dans le sens où on est prêt pour le prochain niveau, les exigences qui sont attendues du niveau universitaire, du niveau professionnel. On amène cette approche-là de qualité dans ce qu'on veut faire comme, comme programme, comme entraînement, comme match. Les Janois, on veut être dans une idéologie de programme professionnel. Donc, de se dire, bon, ben on a cette approche-là de bien faire les choses en tout temps. On met aussi de l'avant des plateaux de qualité. Donc, que ce soit le gymnase, que ce soit la salle spécialement dédiée, je dirais, aux périodes d'études, que ce soit la palestre pour faire les séances d'étirement, les séances de préparation d'avant-match, que ce soit d'avoir un vestiaire unique dédié aux étudiants athlètes, que ce soit même en basket, mais ça pourrait être aussi dans le volleyball, le cross-country. Donc, c'est un lieu où ils peuvent se regrouper, qui est vraiment un vestiaire avec les noms, avec, bon, chacun a sa case. On a un appariteur qui fait attention aux petits détails. Ça aide à avoir une routine de match qui est favorisante pour l'épanouissement puis le développement de nos étudiants athlètes. On leur donne aussi accès durant les week-ends. Ils peuvent venir, c'est formule un peu open gym, donc je dirais formule libre, donc gymnase ouvert, où les entraîneurs ne sont pas là nécessairement avec eux, mais oui, on est disponible pour aller vous entraîner. Donc à ce moment-là, c'est des périodes de plus qu'on peut aller chercher et plus vous nous en demandez, plus on vous en donne. Donc, c'est vraiment la formule gagnant-gagnant. Plus vous avez de l'intérêt, plus vous sollicitez d'avoir du temps avec les entraîneurs, bien ici, le programme au Collège d'Alma, au Cégep d'Alma, donne la chance à ces étudiants athlètes d'avoir accès à des plateaux de qualité, et ça aussi en quantité durant la semaine, donc de pouvoir avoir beaucoup d'heures de gymnase pour venir s'épanouir. La première étape absolue, ça va être de faire la demande d'admission. Demande d'admission va se faire sur un site qui s'appelle le Service régional d'admission du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc le SRACEL. Vous allez faire une espèce de pré-admission sur le site où vous allez remplir des informations de base là, sur vous. Ensuite de ça, vous allez aussi recevoir un mail, probablement dans vos indésirables, avec toutes les informations que vous aurez besoin pour vous connecter à ce dossier-là. Ce n'est pas fini après cette première étape, donc il va falloir réaccéder à ce moment-là à votre dossier pour être en mesure d'y déposer tous les documents qui vont être requis. Tous vos relevés de notes, votre passeport et autres documents connexes, dépendamment d'où vous venez. Donc, le système va automatiquement vous indiquer dans votre dossier quels documents vont être à déposer. On passe à la seconde étape lorsqu'on va avoir officiellement reçu notre lettre d'admission. La lettre d'admission, pour vous donner une petite idée des délais, ça se pourrait, une fois que vous avez déposé tout votre dossier en ligne, que ça vous prenne à peu près 2 à 3 semaines avant qu'on soit capable de vous fournir une réponse. Vous allez pouvoir être en contact avec moi pour qu'on passe à la prochaine étape, qui est le certificat d'acceptation du Québec.
Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les Janois sont une grande famille. Donc, joignez-vous à nous, aux joueurs, pour souhaiter une bonne anniversaire à un de nos mini-Janois présents ce soir, William. Donc, bonne fête, William. Faites du bruit, mesdames et messieurs, pour ce troisième cas! Des Janois au numéro 5. Des Janois au numéro 5. Changement du numéro 5 pour le numéro 6 pour nos Janois. Pour le Collège de Thetford, au numéro 22.
côté du collège de Thetford, au numéro 22. Changement du côté des Janois du numéro 14 pour le numéro 5. Faute des Janois au numéro 5. Entrée sur le terrain pour les Janois du numéro 22. Changement des Janois du numéro 22 pour le numéro 10, Matteo Custo. Du collège de Thetford au numéro 5. Temps mort demandé par nos Janois. Hey.
les gars, le temps pour le timeout? Le temps? Partisan, faites du bruit pour nos Janois! Allez, 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 let's go! Faute des Janois au numéro 11. Du collège de Thetford au numéro 13. Mesdames et messieurs, il est maintenant temps de sortir vos moitié-moitié. Pour la somme de 25 $, le numéro 1, 7, 7, 4, 2, 0, 0, 6, 7. Je répète, le billet d'une couleur jaune pour 25 $, 7, 7, 4, 2,
0, 0, 6, 6, 6, 7. Désolé. Le détenteur du billet gagnant peut aller rejoindre Mélina à la machine à pop-corn. Du côté du Collège de Thetford, au numéro 13. Des Janois au numéro 14. Pour le collège de Thetford, au numéro 13, quatrième faute. Thank you.
Côte des Janois au numéro 8. Des Janois au numéro 8. Des Janois au numéro 14. Changement des Janois du numéro 6 pour le numéro 11. Thank you.
Partisans des Genois, êtes-vous présents? Faites du bruit! Thetford. Collège de Thetford au numéro 5.
Dernière minute de jeu. Temps mort du côté des Janois. Faute du côté des Janois au numéro 5. 5 fautes cumulatives pour l'équipe. Partisans des Janois, faites du bruit pour votre équipe! Allez les Janois! Faites du bruit! Des Janois au numéro 14. Du collège de Thetford, au numéro 5, quatrième faute personnelle. Des Janois au numéro 14. Cinquième faute. Partisans des Janois, il reste moins que 30 secondes, on veut vous entendre! Faites du bruit!
des Genois au numéro 22. Temps d'arrêt demandé par nos Genois. Partisans des Genois, faites du bruit, on donne de l'énergie à nos joueurs! Marque finale de ce match, 82 pour le Collège de Thetford et 71 pour nos Genois. Les Genois et les joueurs voudraient vous remercier, chers partisans, de votre présence ce soir.